La raison de sa fuite des cerveaux, elle a une grosse partie, ban travail manuel puis quitte le pays, il n'est pas juste monétaire. Il y a beaucoup de facteurs qu'on nous analyse, qu'on nous cause du monde. Mais nous demandons qui fait, il dit oui, monétairement, mais j'ai un pressentiment, une perception qui, si je très à Maurice, je pars pour gagner même l'opportunité. Et actuellement, parce que la fuite des cerveaux et la fuite des muscles, comme on nous dit, c'est pas un phénomène nouveau. Mais nous trouvons ce problème-là exacerbé pendant ces derniers 2, 3, 4, 5 ans-là. Et nous commençons à poser la question, qu'ils ont fait qu'ils peuvent passer différemment dans le pays pour qui nous trouvons ça exode-là. Monétairement parlant, oui, avec une baisse de la roupie, ça veut dire nous trouvons qui pendant ces 3 dernières années-là, la roupie a perdu presque 30% de sa valeur comparée à la devise étrangère. L'augmentation des salaires à Maurice nous limitait par lui parce que en termes de compétitivité des salaires, nous pas pour capable match ça qui paye de nous dehors. Et le gros problème qui pourrait être, si sa mesure là vient en place, c'est qu'il y a une disparité des salaires. Comment le ministre des Finances, il y a juste un des secteurs qui est capable de faire lui. Mais qui arrive dans des autres secteurs productifs très importants à Maurice, hein? Beaucoup de secteurs de la grande distribution, beaucoup de secteurs de l'éducation, beaucoup de secteurs de la santé, que là-bas, nous connaît qui l'IPN a même puissance, même capacité pour augmenter le salaire, mais il crée une grande, grande disparité et nous capable de trouver nous, au lieu de solve ce problème de fuite des cerveaux là, nous trouve qui exactement, dans certains secteurs, les cerveaux vont revenir, mais dans d'autres secteurs, avec cette disparité-là, bon, la vie va être chère. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.